En action de grâce pour la vie, en action de grâce pour la mancheté, en action de grâce pour ton regard porté sur nous, en action de grâce pour tes bontés révélées sur nous, en action de grâce pour ta magnitude, avec nous le monde, nous venons à nos vies, ce matin encore, nous venons à nos vies en action de grâce. Est-ce que ton œil bienveillant se porte sur nous approchant de l'action de grâce, le Saint-Père qui nous a une fois de plus dirigé vers notre plume. Oh, abondé en action de grâce, parce que assurément l'ennemi nous a réclamé durant la veuve, que dis-je, durant la nuit. Mais Père, avec nos actions, dans toutes ces choses, tu nous as gardés, tu nous as gardés. Tu nous as gardé. Alors ce matin, c'est un cœur reconnaissant qui s'approche, abondant en action de grâce. C'est un cœur reconnaissant qui s'approche, abondant en action de grâce. C'est un cœur reconnaissant qui s'approche, abondant en action de grâce. Le maître mot de notre vocabulaire ce matin, ce merci. Le maître mot de nos louanges ce matin, ce merci. Le maître mot, Seigneur. De tous ces vocables qui pullulent nos lèvres. C'est ce mot, merci, 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 merci. Un mot tellement bref, mais qui est tellement expressif, qui renferme tellement de choses à dire, qui renferme tellement de choses à exprimer. Un mot bref et concis, mais qui renferme un tas de choses que Dieu a accomplies. Une reconnaissance infinie, une reconnaissance sans fin, une reconnaissance sans fin, un mot qui paraît laconique, mais un mot qui compte à tout ce que tu as fait. Nous entrons, Seigneur, avec des louanges. Compte à tout ce que tu as fait. Avec des actions de grâce, nous entrons ta présence qui se soupire. Ne permet pas respirer. Voir le soleil se lever ce matin. Voir l'aurore. Combien sont ceux-là qui dormir hier comme nous. Mais dans les chemins qui se déclinent du réveil. A dysfonctionner ce matin. Combien sont ceux qui dormir hier comme nous, qui pendant leur somme ont très passé, qui pendant leur somme se sont éteints. Nous voyons les bons soleils au ciel. Amen. Si c'était pas, mais
Je dirai que puissance et honneur, louange et majesté viennent à celui qui est assis sur le trône, à celui qui a vaincu, à celui qui était, qui est et qui vient, à celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. J'aime comment Daniel le présente. Daniel dit ceci: il est le maître, ou il méchisse, selon notre version, le temps et les circonstances. Il place les rois et il les retire. Il élève des dignités, il rabaisse les choses. À celui-là qui élève les rois et qui rabaisse certains. À celui qui élève les dignités, qui rabaisse les choses. À ce roi qui décide les choses, la chose s'accomplit. Voilà devant qui ce matin nous venons nous prosterner. Voilà devant qui ce matin nous venons chanter nos cantiques d'action de grâce, nos cantiques de remerciement, nos cantiques de louange. Non pas parce que nous sommes forts, parce que nous avons une belle voix, non, parce qu'il a fait les choses. Notre louange ne dépend pas de ce que nous voyons, mais dépend de ce qu'il est. Je m'approche avec des chants d'allégresse, de lui avec des actions de grâce. Avec ses les multiples actions de grâce. Je m'approche avec des chants d'allégresse, des actions de grâce. Les multiples actions de grâce. Nous devenons nous-mêmes. Je m'approche avec des chants d'allégresse. Je m'approche avec des chants d'allégresse. Des chants de gloire. Ce matin, nous venons de dire oui, papa. Abba, toi, la source de Dieu. Nous sommes heureux de t'avoir de notre côté. Nous sommes heureux de t'avoir comme protecteur. Nous sommes heureux de t'avoir comme soutien. Nous sommes heureux d'avoir Jéhovah avec ce chant. Nous sommes heureux d'avoir. Et souviens-toi de ces bienfaits. Alléluia. Je commande à mon âme de louer l'Éternel. Oh, n'oublie pas ses bienfaits. Hein. Surtout, n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. Il a tellement fait. Il a tant fait dans ma vie. Il m'a placé. Mon âme, n'oublie pas. Non, 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 n'oublie pas ses bienfaits. Non. Tes bontés sont constamment devant moi, Seigneur. Ce que tu as fait, alléluia. Ne quitte pas mon champ de vision. Tes hauts faits dans ma vie, ne quitte pas mon champ de vision. Alléluia. Je les vois constamment devant moi, alléluia. On m'embrasse tes rapports. Je vois constamment tes bienfaits, alléluia, devant moi, Seigneur. C'est pour cela que je commande à mon âme. Oui, 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 mon âme se souviendra toujours. Loue l'Éternel. Mon âme n'oubliera au monde jamais. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Mon âme, il va le ressasser jusqu'à la fin de ses jours. Mon âme se rappellera des bienfaits. Dieu a été là. Mon âme cessera de monter vers toi des louanges. Mon âme cessera de monter vers toi des cris de joie. Et même lorsque cela semblerait difficile, je me rappellerai de la seconde d'abord. Si ce Dieu-là souviens-toi, mon âme, Dieu ne m'a pas laissé. Alors mon âme le louera jusqu'à l'éternité. Même dans les situations les plus désespérées, Dieu ne m'a pas laissé. Passer du temps à louer, il ne m'a pas abandonné. Mon âme, souviens-toi. Car celui-là me protège, celui-là est mon secours. Quand j'ai mal, je crie vers l'Éternel. Et celui-là, souviens-toi. Souviens-toi, mon âme. Voilà mon âme aujourd'hui chante. Car à chaque fois que mon âme a crié, l'Éternel l'a écouté du haut des cieux et l'a exaucé. À chaque fois que mon âme a crié à l'Éternel, il n'a pas fait le sourd d'oreille, il l'a entendu. Et il a attendu. À chaque fois que mon âme a crié, souviens-toi de toutes les fois où Dieu t'a délivré. David, lorsqu'il le dit dans le 34, en malissant le roi de gloire,
Lorsque j'ai crié à l'Éternel, il a entendu mes pleurs et il m'a secouru de toutes mes forces, de toutes mes supplications et de tout ce que j'avais. À qui tu as donné grâce, je crie vers l'Éternel. Il est digne de louange. Que l'honneur, la gloire nous revienne à jamais. Mon âme cessera de crier vers l'Éternel. Car celui le secours. Et ce n'est pas pour rien que le psalmiste le dit bien. Mes yeux se lèvent vers les montagnes. Oui, les montagnes qui symbolisent en réalité la présence de Dieu. Voilà pourquoi il me dit, j'aime mieux rester dans sa présence que mille ans ailleurs. J'aime mieux passer un instant pour que soit-il dans ta présence que nous. D'aller voir ailleurs. J'aime ta présence, oui. Mon âme le sait. Mon âme a le cachet de ta présence. Mon âme a le cachet de ta présence, de ta gloire. Et mon cœur, oui, contient cette graine. C'est un fil graine qui contient des informations de louange. Et lorsque cette graine entre dans ta présence, elle commence à germer. Et lorsque cette graine germe dans ta présence, elle produit des louanges sur le pied de toi, Seigneur et Sauve. Et lorsque cette graine commence à germer, elle produit des cantiques d'action de grâce, des cantiques de remerciement, des cantiques de gratitude. Que pouvons-nous donner à celui qui nous a sauvés? Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur de la terre, au Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses? Qu'est-ce que je pourrais donner à celui à qui appartient toutes choses? Celui devant qui toute la création s'incline et proclame qu'il est Dieu, il est souverain et il règne en majesté. Qu'est-ce que je pourrais donner à celui qui domine sur tout, devant qui l'eau, les mers, les océans obéissent, devant qui les vagues et les vents se tiennent, devant qui les problèmes s'abaissent, devant qui le soleil, la lune s'incline? Que pourrais-je donner à ce roi de gloire, à ce souverain, oh Père qui domine au-dessus de tout? Que pourrais-je donner à celui-là? Alors je dis à mon âme, comme l'a dit Jérémie, comme le disait Jérémie, rappelle-toi que tes bontés se renouvellent tous les jours. Mon âme, n'oublie pas, oui, que celui-là même qui fait enfanter la stérile cette fois. Mon âme, n'oublie pas, celui qui éprend le mur de Jéricho pour toi. Mon âme, n'oublie pas, mon âme, n'oublie pas cette mer rouge, cette mer qui s'est ouverte en deux. Mon âme, n'oublie pas cette mer empoisonnée qui est exploitée. Mon âme, n'oublie pas cette eau qui a été transformée en vin. N'oublie pas ce rocher. Comme mon âme n'oublie pas. Au contraire, rappelle-toi de ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi de ses nombreux. N'oublie pas mon âme, cette stérile qui a eu des triplés. N'oublie pas ce malade en table terminale de cancer qui a reçu sa guérison. Mon âme n'oublie pas ces métastases qui ont disparu tout à coup. Mon âme n'oublie pas. Mon âme n'oublie pas cela. N'oublie au moins jamais les bienfaits de celui-là. De celui qui t'a secouru, de celui qui t'a porté secours au temps de la détresse. Alors oui, je m'approche. L'autre fois, quand tu chantais, quand tu dansais. Alors je m'approche devant de toi avec ce chant de gloire. Je m'approche devant de toi. Je refuse d'oublier. Je refuse d'oublier. Non. Je ne regretterai jamais ce choix. Je refuse. Oui, le choix d'avoir dit oui à celui qui m'a aimé. Et si aujourd'hui nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimé en premier. Mon âme n'oublie pas. Mon âme n'oublie au grand jamais. Non, tu n'as pas le droit de te taire, mon âme. Je préfère encore que même si je me taisais, que mon silence soit plus éloquent. Que mon silence soit simplement un signe de contemplation. Que je contemple les bienfaits de l'Éternel, la création tout entière et des actes en ma faveur. Des actes en mon égard qui n'ont pas été en vain. Si aujourd'hui je peux parler, aujourd'hui je peux déclarer, c'est parce que quelque part quelqu'un avait sa main mise sur moi. Quelque part quelqu'un avait ce pouvait de ses ailes. Et l'ombre de ses ailes a juré mon repos.
Quelque part, il y avait quelqu'un qui me délivrait du filet de l'oiseau. Quelque part, il y avait quelqu'un qui intervenait lorsqu'il y avait 10 000 à la gauche, 10 000 à ma droite. Quelque part, il y avait quelqu'un qui intervenait lorsqu'il y avait les pièges devant de moi. Lorsque les pièges volaient la nuit et les balles crépitaient le jour, quelque part, il y avait ce Dieu qui était devant moi. Quand Dieu t'a délivré avec sa main puissante, n'oublie pas. Si je suis en ce lieu, quelque part, il y avait celui qui me donnait la force en marchant. Les premiers-nés des Égyptiens sacrifiés, n'oublie pas, n'oublie pas, oui, en réalité, les vieillards se fatiguent. Les premiers-nés des Égyptiens qui étaient sacrifiés, n'oublie pas, j'ai placé ma confiance en toi. Ma confiance s'est placée en toi et je n'ai pas été déçu. Tu m'as secouru de ta mort. Et même lorsque je traversais la zone où ma femme, je traversais le monde, cette zone d'ombre, mon âme, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Toi, tu étais avec moi. Alors mon âme se souviendra à perpétuité. Mon âme se souviendra éternellement de ce Dieu puissant, majestueux. Les fois où Dieu celui qui a transformé de l'eau, qui m'a donné le de sa main. Mon âme n'oubliera pas, non. Mon âme continuera à élever celui-là. Toutes les fois où la mer vous a fait changer en sang. N'oublie pas, n'oublie mon âme n'oubliera pas. Mon âme chantera avec joie. Que dis-je? Chantera avec allégresse. Toutes les fois où Dieu a fait tomber un Goliath devant toi, mon âme, n'oublie pas. Les autres l'ont vu. Alors il faut lire mon chant, mon cantique de remerciement, d'action de grâce. Mon âme, tu sois avec allégresse, non pas seulement de joie, mais d'allégresse. Tu t'exprimes avec des pas de danse, avec des acclamations, avec des réjouissances. N'oublie pas, mon âme. Souviens-toi, le psalmiste le dit si bien, qui le publiera, qui publiera le offre de l'Éternel à ce peuple, qui déclarera ses prodiges et miracles. Je publierai moi les offres de l'Éternel, je chanterai devant le peuple. Oui, en réalité, mes chants d'allégresse proviennent de ce monde. Car sa joie n'a pas été là. La joie de l'Éternel a été ma force. La joie de celui-là a été mon secours. Alors je chanterai l'Éternel sans relâche. Je louerai l'Éternel sans attendre. Et même si ces choses pour lesquelles nous prions, ces choses qui nous empêchent de dormir la nuit et qui nous réveillent subitement pendant notre sommeil, les cesses de nous inquiéter, nous nous rappellerons des bienfaits de l'Éternel. En ce moment où nous demeurons en sa présence, au Père, nous voulons réellement nous rappeler, nous approcher au devant de toi pour chanter avec reconnaissance, pour chanter avec action de grâce. En ce moment où nous nous rapprochons de toi, nous voulons chanter avec action de grâce, car nous savons que devant toi, le Dieu de toute gloire, de toute majesté, ces petits chants, ces cantiques d'action de grâce, c'est des armes redoutables pour que tu agisses pour ta main. Nous nous rapprochons devant de toi pour chanter avec action de grâce et reconnaissance. Nous nous rapprochons de toi. Approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous, approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous, approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec, chantez avec reconnaissance. Approchez-vous.
Sois à l'agneau sur le trône. Oui,
Approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous encore. Approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Et approchez-vous encore. Approchez-vous devant le trône de sa majesté. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous, approchez-vous devant le trône de sa majesté. Et rendez gloire à son Saint-Nom. Il est le roi. Adorez sa majesté. Prosternez-vous devant son trône. Contemplons tous la splendeur de sa majesté. Que l'honneur, la louange, puissance et gloire soient à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Adorez sa majesté. Prosternez-vous devant son trône. Proclamons tous la splendeur de sa majesté.
chanter avec reconnaissance. Approchez-vous devant le trône de sa majesté et rendez gloire à son Saint. Chantez avec reconnaissance. Approchez-vous devant le trône de sa majesté et rendez gloire à son Saint Nom. Il est le roi, adorez sa majesté. Ce matin, que l'honneur, la gloire, louange et gloire reviennent à l'agneau de Dieu. Que louange et gloire reviennent à celui qui domine, à celui qui règne. Que louange et gloire reviennent au roi de toute la terre. Que louange et gloire reviennent à l'agneau de Dieu. Tu es digne de louange. Il mérite. À qui l'autre le rend grand. Dieu, mais nous venons offrir des parfums de louange. C'est à Dieu, méritant. Nous venons offrir des parfums odoriférants de louange. C'est à Dieu, méritant. Nous venons offrir des parfums odoriférants de nos adorations. C'est à Dieu, méritant. Dieu, méritant. Créateur des cieux et de la terre, que je refuse absolument que mes pierres se lèvent à ma place de nuit. Je refuse absolument que les pierres, que les oiseaux me chantent et que je me taise. Non, non, non. Je refuse cela absolument. Je ne parle plus à cause du témoignage. Je te chanterai. Et même mon silence sera oui, un chant de nous. Ceux qui nous ont parlé de la part de Christ. Nous croyons que l'honneur, la gloire se revient. Nous croyons que la gloire exprimante sa main de bénir. Nous croyons que la gloire est en train de bénir. Que la gloire te revienne à jamais. Oh Dieu, tu puissant, créateur des cieux et de la terre. Qui est semblable à celui qui domine? Ah, j'aime bien l'or que la Bible me dit. Qui est semblable au Christ de l'or? Qui est semblable au Christ de l'or? Nous te bénissons, la louange que nous avons ne mérite pas un homme. Un homme pourrait mesurer la terreur, l'importance, la dignité, l'honneur de cette louange. Un homme pourrait mesurer les bienfaits ou la profonde reconnaissance de cette louange. Cette louange porte un homme, la louange qui a fait le mot du mérite. La louange est pour toi, pas pour un homme. La louange est pour toi, au Père. Non,
mérites. Ta louange n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour un politicien, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une femme. Notre louange est réservée à celui qui règne, à celui qui domine les choses. Notre louange est réservée au Père. Notre louange est réservée à celui-là qui est incomparable. Nul n'est comparable à celui que l'on loue ce matin. Nul n'est comparable au Seigneur de l'univers, au souverain de tout le univers. Nul n'est comparable. Alléluia. Ville de louange, tu mérites ta gloire, 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 ce matin, il est agitable. Tu te réveilles le matin pour te réveiller. Allons-y à le jour. Retire le moyen de ce matin. Le matin, on chie. À qui rions-nous encore, Seigneur? Qui a les paroles de la vie? Quelqu'un tient là ce matin? Ah, ce matin, il s'agit de toi, papa. Je parle de celui qui nous protège, celui qui nous fait. Je parle de celui qui nous amène vers le vert pâturage. Celui-là même qui nous délivre. Qui nous délivre des loups et des fils. Je parle de celui qui nous sauve. Celui qui fait des œuvres de moi et de nos œuvres des suppressions. Celui qui a Au Seigneur de l'univers qui règne. Il n'y a que toi qui sois vivant devant toi. Il y a ces quatre êtres vivants. Devant qui il y a ces sept hommes par ordre. Devant qui les 24 vieillards se prosternent. Devant qui les chérubins, les séraphins, les archanges se prosternent. Il est saint, saint, saint. Oui. Le Dieu de l'univers est saint. Voilà pourquoi notre louange n'est pas un mélange. Votre louange n'est pas un mix. Non, non, on ne mixe pas. Parce qu'il est saint, nous lui chantons des louanges mises à part. Ce sont des louanges qui sont dédiées uniquement au Seigneur de l'univers. Ce sont des louanges réservées uniquement à celui qui est sur le trône. Ce sont des louanges réservées uniquement à celui qui est sur le trône. Notre louange n'est pas un terrien, n'est pas un humain, non. Notre louange est réservée à celui qui est. Notre louange est à toi, l'amour. Tu n'es pas mis dans ta chambre, tu n'es pas ton salon, tu es la présence de Dieu. Quand nous étions élevés au-dessus de Dieu, l'église tient dans la présence de Dieu. Tu as reçu un nom au-dessus de ta chambre, ses femmes, ses autorités, ou bien ce qui est autour de lui. Ce matin, nous devons précéder l'aurore, non pas par nos forces, mais par toi. Et alors nous commençons par le louange. Et nous avançons devant le roi de toute la terre, le roi de tout l'univers, le Dieu présent au milieu de son peuple, l'admirable conseiller. Ah, sur toi repose la domination, sur toi repose l'autorité. Je parle de celui qui a livré en spectacle tous ses pouvoirs. Mais celui qui les a livrés à un concert triomphal, un spectacle de concert triomphal. Quelqu'un ce matin a fait arrêter l'Éternel, l'Éternel entend avec les hommes. À l'unisson, nous chantons le même chant. Oh oui, nous voulons chanter à l'unisson avec les anges là-haut. Nous voulons faire la même chose. De ceux qui sont au-dessus. Au-delà d'une prestation, c'est un dévouement, c'est un culte que nous rendons. Au même moment, et à l'unisson avec les anges, avec les anges ici-bas, et avec tous ces chers et sœurs, nous rendons vers toi des louanges dignes de toi, Père. Des louanges
sont dignes de toi. Je disais que tu es saint. Et il faut que les louanges, il faut que ce soit des louanges saintes. Que tu es mis à part. Mais les louanges que nous chantons ce matin sont des louanges mis à part. Ce ne sont pas des louanges que nous avons empruntées dans ce monde. Ce sont des louanges révélées par ton esprit. Que nous venons chanter au devant de ton trône. Parce que le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, qui est assis sur un trône de grâce, mérite que nous chantions avec une action de grâce au devant de lui. Dieu de toute grâce, qui a toujours un monde de grâce, mérite l'action de grâce. Ce n'est pas pour un an, non. Je refuse que les pierres le fassent à ma place. Je refuse que les oiseaux chantent à ma place. Non, je le ferai moi, car le Dieu de toute gloire mérite ma louange. Si je suis en ce moment, ce lieu, en train d'élever ma voix, en train de le corriger, c'est parce que ma mémoire, c'est parce que mes souvenirs sont le témoin de la gloire de ce Dieu. C'est parce que mes souvenirs sont le témoin de la main puissante et agissante de ce Dieu. Alors je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas, je l'adorerai. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas, j'adorerai ce Dieu. Je ne me tairai pas, je monterai vers lui mes louanges. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, nuit et jour. Je ne permettrai pas mon être un instant de cette terre, même lorsqu'il sera silencieux. Amour, beauté, infinie valeur.
De te voir, il nous tarde de te rencontrer, il nous tarde de te rencontrer, qui est comme toi, qui est semblable à toi.
comme toi, qui est semblable à toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Don Jésus. Alléluia. 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 Jesus. Thank you, Lord. C'est un privilège un matin d'être dans sa présence, où que tu sois, où que tu sois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends ta Bible dans la même attitude, lève-toi. Si tu veux rester, pour nos amis qui sont de l'autre côté, peuvent rester à genoux. Nous ici, on va se lever. On est en plein service. Garde la même attitude. Nous voulons avoir une orientation de prière. Merci à toi qui t'es connecté à ce moment depuis 3 jours déjà. Je vois une sœur qui est en Afrique du Sud qui nous a écrit, qui est connectée. Depuis 3 jours, je vois une famille en Côte d'Ivoire. Papa et maman sont tous connectés. Je rends grâce à Dieu. Si vous êtes là, sachez que nous savons que vous êtes en pleine prière avec nous. Mais en même temps, je rends grâce à Dieu pour ce qui se passe dans nos vies au début de cette année, car c'est très déterminant par rapport à ce que sera l'année. Je voudrais lire avec vous 2-3 portions d'écriture dans la même pensée de choses que Dieu nous a dites depuis que nous avons commencé ici. Nous avons commencé cette année ensemble depuis quelques jours déjà. Nous sommes au 6e jour de l'année. Mais je sais aussi une chose, qu'il a achevé toutes choses. Pendant 6 jours et le 7e s'est reposé. Ce jour est un jour merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il a déjà achevé. Il a déjà achevé. Au 6e jour, il a achevé. Il a achevé. Nous avions parlé de l'épée de l'esprit. Nous avons cherché à comprendre pourquoi est-ce que nous vivons chaque année presque les mêmes choses. Nous étions scandalisés ici d'entendre et de voir combien Dieu répond de suite lorsqu'on s'adresse à lui. Jésus dit même qu'il vous répondra promptement. Promptement. On ne sait pas calculer le promptement. Il n'y a pas d'émue dans le promptement. Qu'est-ce qui fait que des fois nos réponses tardent? Nous avons voulu savoir. Qu'est-ce qui fait que les mêmes choses reviennent 2019-2020? Nous avons commencé à élucider cela. Nous avons commencé à jeter un œil dans certaines choses. Il est important pour nous de ne pas ignorer que l'ennemi aussi est en train de fêter bonne année. Il se dit, voici encore 365 jours. Je pourrais encore faire du mal à quelqu'un. Il y travaille depuis des siècles. Certains disent depuis plus de 100 000 ans. 5 000 ans déjà existent que Satan travaille activement. Une des choses qui m'impressionne, c'est la ténacité des démons. On les chasse, ils reviennent.
Pourquoi toi on te chasse, toi tu ne reviens pas? Pourquoi on te ferme la porte, toi tu ne reviens pas? Si les démons chaque fois ils reviennent. Si la maladie revient tout le temps, si les problèmes reviennent tout le temps, pourquoi toi aussi tu ne frappes pas encore toujours et toujours? Ils sont ténaces. Ils sont ténaces. Nous voulons savoir pourquoi ces choses reviennent, pourquoi il y a ces répétitions. Nous avons dit, nous ne voulons pas que 2020 s'incruste en 2021. Nous ne voulons pas vivre les mêmes choses. Et nous avons dit, nous n'allons pas subir. Par conséquent, nous allons imposer à l'année 2021 ce que nous voulons. Et nous ne sommes pas le seul. L'ennemi a un projet de malheur. Paul dit, vous ne devez pas ignorer que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs. Il veut dire, notre combat n'est pas d'ordre physique. Si tu as un combat, ce n'est pas contre ton frère, contre ton oncle, contre une tante qui est devenue vieille. D'ailleurs, laissez les personnes âgées tranquilles. Si tu en as à la maison, il faut les embrasser. Il dit, notre bataille est contre les principautés. Si je dois traduire cela dans notre jargon d'aujourd'hui, je dis que c'est contre les sorciers. Contre des gens de mauvais cœur. Est-ce que l'ennemi a un mauvais cœur? Pire que ça d'ailleurs. Les entités spirituelles. Notre combat aujourd'hui, de notre vie, de ta vie, de tous les jours, c'est contre les entités spirituelles qui cherchent par tous les moyens que tu n'accèdes pas au royaume, que tu ne gardes pas la foi. Paul a reçu la révélation en écrivant cela. Notre combat n'est pas charnel, mon frère. Si on a un combat cette année, c'est contre les principautés, contre les esprits méchants. Autrefois, nous n'avions pas le pouvoir de marcher sur eux. Nous avons perdu ce pouvoir lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Et vous remarquez avec moi que dans le jardin d'Éden, Adam n'a jamais prié. Adam n'a jamais prié, mais Adam a dominé. La Bible me dit que Dieu lui a dit, domine, assujetti. Où? Dans Éden. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu reçois la faculté de dominer, la capacité d'assujettir, uniquement dans la présence de Dieu. Si je peux en chérir, lorsque nous lisons dans le livre de Nombres, Aaron était contesté, mais à l'extérieur. Certaines contestations, nous les avons lorsqu'on est à l'extérieur. Mais lorsque nous rentrons dans le domaine du Kairos, là où le temps s'enfuit, dans la présence de Dieu, il y a une accélération des choses. Ma Bible me dit qu'ils étaient contestés. Et tu as trouvé l'astuce. Il dit, venez dans ma présence. Certaines contestations s'achèvent, se terminent lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia, lorsqu'on alléluia. Demeure dans la présence de Dieu, il y a des contestations qui cessent. Parce que les résultats feront cesser les contestations. Lorsqu'ils rentrent dans la présence de Dieu, ma Bible me dit, il y avait des verges. Vous savez, c'est un bâton sec qui n'a plus de racines. J'aimerais dire à quelqu'un d'entre Dieu, cette année, si tu n'as pas de racines, tu n'as pas où être planté. Va te planter dans la présence de Dieu. Pas dans la présence d'un homme, mais dans la présence de Dieu. Tu n'as pas de racines, bâton sec, tu n'as plus de sève. La Bible me dit que le bâton de Aaron, en une nuit, ça veut dire en une nuit, c'est en 12 heures. Ce n'est pas 24 heures. La Bible n'a pas dit en un jour, non. Oh. La Bible n'a pas dit que c'est en un jour. La Bible me dit que c'est en une nuit. En une nuit, ce bâton a bourgeonné. Porté des feuilles. Parce qu'on me dit qu'il a même porté des fruits. Pas des fruits qu'on doit garder pour que ça devienne mûr quelque part. Prêt à être mangé, des fruits mûrs. En 12 heures, en une nuit. À la présence de Dieu. Je disais que Adam, Dieu lui a dit, tu vas dominer et assujettir lorsque tu es dans ma présence. Et Adam a dominé sur les animaux, sur la nature.
Des fois, nous perdons des batailles parce que nous ne demeurons pas. Christ a dit, si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que si vous demeurez dans ma présence, il n'a pas dit si vous faites des va-et-vient. Il n'a pas dit si vous venez tantôt plus tôt. Non, il a dit si vous restez, si vous habitez. C'est pour ça que David me dit, j'habiterai dans la maison. Il n'a pas dit, je venais de temps en temps visiter l'Éternel. Il n'a pas dit, je venais de temps en temps voir s'il est toujours là. Non, il dit, j'habiterai, je vais établir ma demeure dans la maison de l'Éternel. Oh, ça veut dire qu'on va se voir. Quand il sort, il me trouve. Il sort le matin pour élever ses bontés, il me trouve. Il rentre le soir, il me trouve. J'habiterai constamment. Constamment dans la... Cette année, il y a quelqu'un qui doit habiter constamment dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un shift. Tu reçois le pouvoir de dominer, d'assujettir. Parce que le temps s'enfuit. Je suis en face et en présence de mon maître qui gère le temps. Je disais cette année, l'enjeu est tellement grand qu'il nous faut être rare quelque part. Il y a des endroits où il faut être rare de plus en plus. Il y a des endroits où tu es trop présent. Il faut que tu sois de plus en plus rare. Mais qu'on te trouve de plus en plus dans la présence de Dieu. Ça me rappelle mon ami David. Absent dans la présence des hommes, là où on calcule, là où on compte les gens, il n'a pas été compté. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà compté dans sa présence. Et quand Dieu te compte dans sa présence, sache qu'il va t'introduire par des méthodes non conventionnelles. Il va briser les normes pour faire de toi la norme. Cette année, il y a des choses extraordinaires qui sont sur le point d'arriver. Mais pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Paul nous dit, vous ne devez pas ignorer. Plus loin, il va dire, ne donnez pas avantage. Donc, il n'a pas avantage. Mais nous, on a l'avantage, le Saint-Esprit. Il a quitté, il est venu s'établir. Depuis que Jésus est parti, à l'an 33, le Saint-Esprit est toujours ici. Mais beaucoup l'ignorent. Ils pensent que c'est une puissance et une personne. Et c'est notre avantage. Nous ne devons pas vivre 2020 bis. Nous avons dit, nous ne voulons pas qu'elle... Cette année qui vient de passer s'incruste. Jésus dit quelque chose dans Matthieu chapitre 12, 43. Garde ce verset. Le premier jour de ce 24 matin, nous avions parlé de Daniel, à qui une information a été donnée, une révélation a été donnée. Et il a eu l'intelligence de la vision. Nous avons dit ici, Père, il est temps que nous puissions avoir l'intelligence de la vision. Quelqu'un doit dire, j'aimerais avoir l'intelligence de cette année. J'aimerais savoir chaque mois qu'est-ce qui est prévu. J'aimerais être l'horloge. Quand on me regarde, je suis l'horloge de Dieu. Comme Israël est l'horloge de Dieu, moi je suis l'horloge de Dieu. Je sais quelle heure il fait à la montre de Dieu. Je sais quel temps il fait. Avoir l'intelligence de fils d'Issachar. Être un signe et un présage. Lorsqu'on veut savoir ce qui va se passer cette année, on vient te consulter toi. Parce que tu es constamment dans la présence de Dieu. Je vais même dire à quelqu'un, Dieu veut te parler. Et il le fait déjà. Mais tu ne traînes pas dans sa présence. Tu ne dures pas. Daniel dit, moi j'ai reçu l'intelligence et la vision. Et qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Écoute, pour entrer en prière, aller en train de jeûner, Dieu ne te dira pas toujours. Il a décidé, par rapport aux informations qu'il a reçues, il a dit, je dois aller dans la présence de Dieu. Il y a des informations que nous recevons, en fait, c'est qu'est-ce qui nous dit, allez dans ma présence. Anne, le fait qu'elle n'était pas encore dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'elle ne veut pas expérimenter. Cette année, je vous assure, j'aimerais être dangereux. Cette année, puisque Corona, ce truc-là, était dangereux l'année passée, cette année, il a déjà perdu. Et ceux qui sont derrière ont déjà perdu. Parce que toi, tu es devenu dangereux dans la prière. Je vais vite avancer afin que nous puissions prier. On nous a écrit, il y a une maman qui est en Italie qui est
qui a presque son pied qui est en train de, je dirais, se désintégrer, pour ne pas dire pourrir. On ne va pas couper cette jambe. On ne va pas couper cette jambe. Je ne sais pas si tu nous suis ou tu nous suivras après. Nous avons reçu tes images, tes audios que tu nous as envoyés. J'ai entendu, on ne va pas couper cette jambe. Demain dans la présence de Dieu et parle. Que dis-je? Déclare. Ma Bible me dit que la terre était informe et vide. Il y avait du tohu-bohu. Mais une chose, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu prenait le contour. L'Esprit de Dieu mesurait les distances. Quand il s'est arrêté là, il dit, t'inquiète. Il a déclaré. Il n'a pas commencé à prier. Il a déclaré. Il a appelé à l'existence. Tu peux appeler la santé à l'existence. Je parle à cette maman que nous suit en Italie. Tu peux appeler à l'existence. Et si toi aussi tu es dans le même cas, tu peux saisir la parole. Dis, c'est à moi. Si tu as la foi. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. J'aimerais te rapporter une information. Les démons s'épargnent de les tuer. Nous les chassons seulement. Jésus n'a pas dit vous tuerez les démons à mon nom. Il a dit vous les chasserez. Et quand on les chasse, ils reviennent. Ce problème risque de revenir en 2021. Ces situations risquent de se répéter encore et encore. En 2021, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il doit revenir? Et c'est là lorsque je rentre dans mon texte de Daniel chapitre 10. Lorsque l'ange lui dit, j'ai été retenu par le prince de Perse qui m'a résisté 21 jours, pendant que toi tu priais 21 jours, jusqu'à ce que Michael, j'aime dire, est venu à mon secours. Michael est venu. Il y a des anges qui sont commis à ta sécurité qui ont parfois besoin de secours. C'est mal. Donc le ministère des anges existe. Quand je parle de ministère, je parle de leur service, à ton service. Ils travaillent pour toi. Il y a des anges qui travaillent pour toi. Lisons les Écritures. Même les anges sont venus servir Jésus. Quand il a été tenté, ma Bible me dit qu'à la fin, un ange est venu le servir. Je suis en train de croire que c'était le repas parce qu'il avait déjà faim après 40 jours. L'ange est capable de terminer même des finances. Yes. La Bible me dit, lorsqu'il était à Gethsemane, lorsqu'il a été angoissé, sachant qu'il va monter à la croix, un ange est venu le fortifier. Je prie qu'un ange vienne te fortifier aussi. Yes. Un ange est venu fortifier Jésus. Courage. Donc il y a ministère les anges. L'ange lui dit, j'ai été retenu par le prince de Perse 21 jours. Il y a un prince qui gouverne la ville de Perse qui ne veut pas que Daniel accède à ces informations. Et même il dit, je m'en retourne pour le combattre parce que le combat continue. Je pensais qu'après la guerre, quand Satan a pris un tiers, était terminé. Lorsque nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, on dit, il y a une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon et ses anges. Mais quand je lis encore dans Daniel 10, on me dit qu'il y a eu encore guerre parce que l'ange dit, je rentre les combattre. Ça veut dire que pour les réponses des enfants de Dieu, il y a toujours combat. Tu penses que Dieu ne veut pas te répondre? Non, c'est parce qu'il y a des combats qui se trament et toi tu abandonnes. Ta vie fait l'objet d'un combat. Les grâces et les dons qui sont en toi font l'objet d'un combat. Ta santé fait l'objet d'un combat. Tout ce que tu possèdes parce que tu es prévu par Dieu pour prier. Prier. Ta vie est faite pour être un canal. Il dit, il m'a résisté. Pourquoi? Parce que dans cette ville-là, il y a un prince qui domine. Ce qui sous-entend que dans chaque nation, dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a un prince. Et qui a été établi. J'aime Jésus parce que non seulement il les a dépouillés, ça veut dire que nous avons la possibilité aussi de les dépouiller. Mais lorsque je lis dans Matthieu chapitre 12, on me dit, quand un esprit impur est chassé, écoute, il va par des lieux arides. Un lieu
lieu aride est différent du lieu où il a habité. Lorsqu'il habite dans un homme, dans un corps, lorsqu'une affaire arrive chez toi, c'est que là, c'est une habitation commode, merveilleuse. Et lorsqu'il quitte ce corps, Jésus dit, il va dans les lieux arides chercher un autre corps pour posséder. Parce que son repos, c'est dans toi. Toi, tu peux pas être un lieu de repos des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un lieu de repos de la maladie. La maladie vient se reposer chez toi. Comment ça? Jésus dit encore, ma maison sera une maison de prière. Ta vie sera une vie de prière. Il dit, mais vous, vous en êtes fait, vous avez fait une caverne de voleurs. Ma vie, ta vie doit être une vie de prière. Et si tu n'en fais pas une vie de prière, tu feras un lieu d'hébergement sans papier des esprits méchants, le voleur qui vient que pour dérober. Mais il fait de ta vie sa demeure. Est-ce que ta vie est une vie de prière? L'année passée, peut-être pas. Dieu te donne une occasion cette année de faire de ta vie une maison de prière, pas une maison de lamentation. Si tu n'en fais pas une maison de prière, elle va automatiquement devenir un lieu d'hébergement. Les esprits impurs, ils sont sans papier. Ils sont là de façon illégale. Parce que tu ne pries pas. Les situations qui ont commencé à se multiplier, à incuber, à se transformer, parce que ta maison n'est pas une maison de prière. Je te mets à défi. Allume le feu. Le serpent partira. Posez la question à Paul. Ils ont pris du bois, ils ont fait le feu. Ils n'ont pas vu les serpents. Quand ils ont pris le bois, quand ils ont mis le feu, le serpent est sorti. Mais on me dit qu'il va aller chercher un lieu de repos. Alors, s'il n'en trouve point, il ne trouve plus où aller s'abriter, il va revenir là où il était avant. Donc la situation de la personne qui a été guérie, délivrée, le démon scrute s'il peut encore revenir. C'est comme si ce territoire lui a été assigné. C'est-à-dire que ton corps, ta vie, il y a des entités, il y a des esprits impurs, pour eux c'est leur demeure. Même quand vous les chassez en 2020, ils scrutent encore. Est-ce qu'en 2021 je ne peux pas revenir? Parce que ça m'a été donné. Et voilà pourquoi les esprits méchants qui sont dans cet homme, le fou de Gadara, disent à Jésus, il y a quoi entre nous et toi? Parce que cet endroit, non seulement la ville, mais cette famille, nous sommes censés habiter ici. Ça nous a été légué. Dans chaque famille, comme je disais dimanche, il y a des prescriptions, n'est-ce pas? Et dit, nous avons reçu mandat de rester ici. Et lui, cet esprit impur qui est parti, cette maladie qui est partie, ce problème qui est parti, va revenir. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on a prié pour cette personne? Les mêmes choses reviennent. Parce que l'esprit impur scrute. Cette année, nous sommes seulement à 6 jours. Il scrute déjà, où est-ce que je vais rentrer? Ma maison, elle est où? On m'avait déjà chassé avant. Je dois revenir. Et alors il dit, je retournerai dans ma maison. Ils ont du culot quand même. Il dit, je vais retourner dans ma maison. Donc ta vie est devenue sa maison. À quel moment un esprit impur, une maladie, peut identifier ta vie comme sa maison? Il y a un pronom possessif. Donc ça veut dire qu'il y a des... Il est confortablement installé. Il y a des choses qui permettent à l'esprit impur de se sentir à l'aise chez toi. Au point qu'il ne dit pas que je vais rentrer dans cette maison-là. Il dit dans ma maison. Ta vie est devenue sa maison. Ma vie est le temple du Saint-Esprit. Pas une caverne des malades, des maladies. Non. C'est des choses que tu dois déclarer. Cette année, ma vie n'est pas un lieu d'hébergement des esprits impurs. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu sers qui? Je vais aller rapidement, on va prier et puis on va clôturer. Je retourne à ma maison d'où je suis sorti. Il faut dire bien d'où on t'a chassé. Pas d'où je suis sorti, on t'a chassé. Et quand il arrive, il la trouve vide. Quand vous chassez un esprit impur,
quand vous arrivez à dompter, cette maladie est partie, cette situation est partie. Ne laissez pas la maison vide. Faites habiter le Seigneur. Faites habiter une vie de prière. Tu ne peux pas la laisser vide. Fais habiter Christ dans ta vie cette année. L'année passée, ça va, il t'a sauvé. Tu t'en es sorti. Gloire à Dieu. Mais cette année, fais en sorte que ta vie, les 24 heures, soit un lieu d'hébergement du Seigneur. Il s'en va et il prend avec lui cet autre. S'il trouve la maison vide, il n'entre pas. La condition de cette personne deviendra plus difficile parce qu'il va prendre cet autre esprit plus fort. Ça veut dire que le fait qu'il revienne au même endroit, ça veut dire que le territoire lui a été assigné. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi a disposé cette année des esprits impurs pour ne pas leur donner un peu de courage en parlant de démons d'ailleurs, afin que ta vie soit tourmentée. Tourmenté à vie. C'est une information que nous te donnons afin que toi aussi tu les tourmentes à vie. C'est un CDI qu'on a ici. On va les tourmenter à vie. Je suis en train de dire, tu vas les tourmenter à vie. Les esprits impurs ont dit à Jésus, il y a quoi entre nous? Tu viens nous tourmenter, c'est pas le temps. Jésus a dit, le royaume des cieux maintenant appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus, tu es là de façon illégale. De façon, il est... Non. Depuis que Jean-Baptiste est venu, là c'est compliqué. Si c'était avant Jean-Baptiste, j'aurais pu comprendre. Mais depuis que Jean-Baptiste est venu annoncer que le Messie est arrivé, les choses sont compliquées. Je nous dis, match quoi ta? Ça veut dire que maintenant, ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui sont violents dans la prière sont ceux qui s'en emparent. On ne va pas te donner. Ta vie, personne ne va te donner sur un plateau. Tu dois arracher. Tu dois arracher ta santé, tu ne dois plus te plaindre. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. On ne va pas leur donner. On n'a pas dit, on donne aux violents. On ne donne pas. On ne donne pas. On arrache. Cette année, tu vas arracher. Il n'y a plus de règles. C'est ce que Jésus voulait dire. Il n'y a plus de règles. Oh Jésus, tu viens nous tourmenter avant notre temps. Qu'est-ce qui se passe? Et tu n'es pas au courant, Jean-Baptiste est déjà venu. Je vais dire à quelqu'un, Jean-Baptiste est déjà venu. Et maintenant ce sont les violents dans la prière qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a des violents en ce moment? Tu vas cibler une situation qui ne doit pas revenir. Une situation qui était là en 2020. Qui veut s'établir, s'éterniser. Peut-être dans ta famille, peut-être dans ta vie. Tu peux même anticiper. En disant, ma vie n'est pas votre adresse. Je ne suis pas votre adresse. J'efface cette adresse-là. Vous n'habitez plus ici. Cette année, vous n'allez pas habiter chez moi. Cette maladie ne peut pas habiter chez moi. Ces gens de difficulté ne peuvent pas élire domicile chez moi. Je suis la demeure du Très-Haut. Ah, ma maison est la maison de prière. Ce n'est pas un lieu d'hébergement d'angoisse. Ce n'est pas un lieu d'hébergement. Un lieu d'hébergement. Des situations compliquées, non, c'est pas un lieu d'hébergement de la maladie. Je suis en train de dire à une soeur qui nous suit à partir des mains. Les difficultés des papiers sont devenues incompréhensibles. Tu es en ordre, mais ce qu'on te fait à la préfecture, c'est pas normal. Je vais dire à quelqu'un, tu peux même parler à ces entités qui sont derrière dans cette ville des mains. Il y en a dans la ville des mains. Vous qui fermez le ciel, ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Je suis en train de dire ce que j'ai connu en 2021. En 2020, pardon. Je refuse. Ma maison, ma vie n'est pas un lieu d'hébergement d'angoisse. N'est pas un lieu d'hébergement d'inquiétude. Non, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je dis, ce n'est pas quelques fois, ce n'est pas quelques minutes. Ma Bible me dit, c'est tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Bonheur et grâce, où est-ce que vous êtes? Je n'ai pas parlé d'angoisse, j'ai parlé de grâce. Je ne parle pas d'angoisse, j'ai parlé de grâce. J'ai parlé de grâce. Le bonheur et la grâce. La grâce, la grâce. La grâce m'a été faite et elle doit m'accompagner tout le long de ma vie. Aide-moi à prier et à déclarer ces choses.
mes études, je ne comprends plus rien. Je veux dire, ma vie est une vie de prière. Je n'en ferai pas une caverne des voleurs. Je ne ferai pas un lieu d'angoisse. Ce qui m'a fait pleurer l'année passée ne le sera pas cette année. Ce qui m'a fait rougir, ce qui m'a mis à genoux, ce qui m'a brillé, ce qui a froissé mon visage ne sera plus le cas cette année. Et même ce qui a été préparé cette année, ce qui a été préparé cette année, oh, j'efface l'adresse. Je ne suis pas leur adresse. J'efface mon nom. Quelqu'un doit effacer son nom. J'efface mon nom dans leur chiquet. J'efface mon nom. Je suis en train de m'adresser à vos entités qui me gouvernent et qui empêchent que mon dossier avance. Vas-y. You got a power. Tu as une autorité. Exerce. Toi qui es malade, touche là où tu es malade. Cette maladie ne doit pas t'accompagner en cette année. Il va revenir encore en 2021. Tu l'as chassé en 2020. Il va encore revenir. Refuse-lui l'accès. Refuse-lui l'accès. Je suis en train de dire. Refuse-lui l'accès. Quel est ce problème? Refuse à ce problème l'accès. Refuse. Refuse l'accès à ce problème. Refuse l'accès à ce problème. Refuse, refuse. Refuse l'accès. Je suis en train de dire, refuse l'accès à ce problème. Refuse-lui l'accès. Il n'a pas droit de demeurer chez toi. Ta maison, ta vie n'est pas un lieu d'hébergement des esprits méchants. Non. Non, non, non. Aide-moi, aide-moi à prier. Aide-moi à être dangereux, dangereuse. Aide-moi à être dangereux, dangereuse pour ta propre vie. Lorsqu'il rentre chez toi, qu'il trouve pas la maison vide, qu'il trouve la maison remplie de louanges, qu'il trouve la maison remplie de prières, qu'il trouve remplie la maison de déclarations. Je suis en train de dire, à la fin de cette année, l'ennemi va dire, j'ai eu chaud. Il va dire, j'ai eu chaud. Je pensais revenir. Je pensais me réhabiliter. Ça ne sera plus le cas. Aide-moi à devenir dangereuse pour tes études. Aide-moi à devenir dangereuse dans ta famille. Parce que tu as décidé. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi à devenir dangereux, dangereuse. Aide-moi. Nomme ce problème. Nomme cette situation. Tu as reçu tout pouvoir. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'avait que le pouvoir sur la terre. Mais quand il passe à la croix, et quand il descend de la croix, il dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux d'abord. Ouh! Tu as le pouvoir de déloger les entités spirituelles. S'il a dépouillé les autorités, il a placé d'autres autorités. Et tu en fais partie. Tu as une autorité qui est sur terre, mais qui gouverne aussi dans les cieux. Aide-moi, avance, avance. Ce n'est pas normal. Intensifie encore. Intensifie encore. Ce dossier-là, cette année, je suis en train de dire, cette année, la réponse doit venir. Cette année, la réponse doit venir. Cette année, la réponse doit venir. Il y a match quoi? Ce sont les violents de la prière. Les violents qui ne s'en ont pas. Ce sont les violents qui ne s'en ont pas. Ce sont, aide-moi. Quelqu'un a été accusé faussement. Je ne sais pas de qui il s'agit. Si tu as été accusé faussement, je suis en train de dire, ceux qui t'ont accusé, eux-mêmes sont en train de creuser leur tombe. Ceux qui ont fomenté des coups contre toi. Je ne sais pas où tu es. Peut-être que tu es à Kinshasa. Je suis en train de dire, leur dossier s'écroule. Leur dossier s'écroule. Yes. Vas-y, encore quelques minutes. Sois plus dangereuse que tout à l'heure. Sois plus dangereux que tout à l'heure. Tu ne peux pas avancer avec les mêmes problèmes de 2020.
C'est quoi ce problème qui dure? C'est quoi ce problème qui dure? Je suis en train de dire, cette année, tu dois devenir dangereux, dangereuse. Qu'est-ce que tu as remarqué l'année passée? Interdit à n'importe quel esprit a pu les traverser avec toi et de venir faire de ta vie sa demeure. Ta vie n'est pas la demeure des esprits méchants. Ta vie doit être la demeure de la maladie. Là où tu es, touche l'endroit où tu sens qu'il y a la douleur. Et parle à ce dossier. Je suis en train de dire, parle à ce dossier. Parle à ce dossier. Parle à cette distorsion d'angoisse et de solitude. Tu es un vaillant, une vaillante. Cible-moi cette situation. Thank you.
vie n'est pas votre adresse. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Ma vie n'est pas la demeure des esprits impurs. Le pouvoir que tu m'as donné. Merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Je suis en train de croire que cette année, je ne vivrai pas les mêmes choses qui m'ont fait pleurer. Merci à Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Là où tu es, commence à dire et à donner gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Dis-lui merci. Cette maladie doit s'arrêter au mois de janvier. On ne doit pas t'accompagner en février. Le sixième jour, il a achevé. Il a achevé. Nous sommes au sixième jour de l'année. Ces instants, puisque nous sommes en temps de jeûne et prière, que tu saches que ta maison ne doit pas rester vide. Ta maison doit être une maison de prière. Si l'année passée, ta vie n'était pas une vie de prière, que cette année, lorsque la maladie veut revenir, se rendre compte que la maison est déjà occupée par la vie de prière. La maison est occupée non pas par des lamentations. La maison est occupée par des louanges. Que la maison soit occupée par la guérison. Parce qu'il a dit dans les Écritures, nous sommes guéris. Ésaïe, quand il a dit, le Christ n'est pas encore venu. C'est par ses maîtres sûrs. Non pas que nous serons guéri. Non, nous sommes guéris. C'est un présent continu par ses maîtres sûrs, même pas par sa mort. Parce que par sa mort, nous avons la vie. Si par sa mort, nous avons la vie, normalement, on devait être déjà guéri. Parce qu'avant qu'il ne soit à la croix, il a été flagellé. Il est allé étape par étape. Chaque fois qu'il recevait un coup, il disait, ça c'est pour la guérison du cancer. Lorsqu'il était frappé de l'autre côté, il disait, ça c'est pour la guérison des cœurs brisés. Il s'est laissé fouetter parce qu'il savait que l'accomplissement du texte d'Ésaïe devait se matérialiser. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri avant que Jésus ne monte à la croix. Tu dois confesser la guérison. Je suis guéri. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Quand Moïse lui a posé la question, quand j'irai là-bas, qu'est-ce que je leur dirai? Dis-leur, je suis celui qui suis.
Quand Dieu conjugue très mal, c'est dangereux. Quand Dieu conjugue très mal, c'est dangereux. Je suis celui qui suis. Il veut dire, mets ce que tu veux. Si tu dis je suis malade, tu deviens malade. Et alors j'aimerais te dire, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Ne pleure plus. Et tiens bon. Ne pleure plus. Te ce culte matinal, merci pour ce temps de prière. Dieu reste fidèle. Je prie que tu restes aussi fidèle. Je prie que tu restes fidèle dans cet engagement que tu as commencé à prendre depuis le premier. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Là où tu es, tu peux l'acclamer. Nous sommes arrivés à la fin. Tu peux l'acclamer. Je ne te demande pas de l'applaudir. Je ne demande pas des applaudissements. Je parle de l'acclamer. Si tu peux l'acclamer. Si tu peux l'acclamer là où tu es, acclame-le. Merci. Nous nous retrouvons ce soir pour un recap à partir de 20h. Et nous retrouvons encore demain. À 4h30. À 4h30. Courage, tiens bon, tu as déjà tenu quelques jours, tu vas y arriver. Et si tu reçois quelques informations de la part de Dieu, une vision, un songe, partage-nous. Si tu as une requête, n'hésite pas à nous écrire. Nous croyons qu'il est capable de pouvoir, n'est-ce pas, répondre à cette prière. Et je prie que la maman qui nous a écrit depuis l'Italie pour son pied nous écrivent et nos amis de la brigade de prière pourront prier pour elle, mais aussi avec elle. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons matin prochain à 4h30. Nous acclamons le Seigneur pour vous dire au revoir et à très bientôt. Deux.